En ce temps-là, Jésus disait aux Juifs, « Vous avez envoyé une délégation auprès de Jean le Baptiste, et il a rendu témoignage à la vérité. Moi, ce n'est pas d'un homme que je reçois le témoignage, mais je parle ainsi pour que vous soyez sauvés. Jean était la lampe qui brûle et qui brille, et vous avez voulu vous réjouir un moment à sa lumière. Mais j'ai pour moi un témoignage plus grand que celui de Jean. Ce sont les œuvres que le Père m'a données d'accomplir. Les œuvres même que je fais témoignent que le Père m'a envoyé. » Acclamons la parole de Dieu. Une fois, le Seigneur a dit qu'on le reconnaîtra à ses œuvres. Aujourd'hui, il parle de ses œuvres, comme témoignage de qui il est. Témoignage de que le Père l'a envoyé. C'est-à-dire témoignage qu'il est Dieu. Mais que signifie-t-il? Qui sont ces témoignages? Des témoignages muets. Ce ne sont pas des personnes. Ce sont des faits. Quelle œuvre Jésus fait-il? Par exemple, des miracles. Qui peut faire des miracles sinon Dieu? Disait un jour celui qui avait reçu un miracle de Jésus. Les miracles. Les miracles témoignent que celui qui les fait est soutenu par Dieu. Et si celui qui les fait, qui est soutenu par Dieu, affirme qu'il est Dieu, c'est parce qu'il est soutenu par Dieu dans cette affirmation. Mais ce ne sont pas les seules œuvres que Jésus fait. Il y a d'autres œuvres qui sont aussi merveilleuses et qui ne sont pas des miracles. Par exemple, sa miséricorde, son cœur compatissant, son cœur miséricordieux. Quand il voit, passant par une ville, cette femme qui enterre son fils unique, la veuve de Naïn, il a pitié d'elle. Il ressuscite le fils. Quand l'autre lui dit que sa fille est morte, il va s'approcher d'elle et lui dit, « Talitha koum, je te l'ordonne. » C'est un acte de compassion. Mais ce n'est pas seulement de la compassion lorsqu'il a accompli un miracle ou lorsqu'il a multiplié des pains et les poissons pour nourrir les affamés. C'est aussi de la compassion lorsqu'il empêche la femme adultère qui s'était fait prendre en flagrant délit d'adultère. Mais c'est aussi de la compassion quand il dit à cette femme adultère, « Je ne te condamne pas non plus, ne pêche plus. » Jésus est le Dieu compatissant, le miséricordieux avec nous. Et maintenant, il n'y a pas que ça. Il se définit par un mot qui n'est pas du tout à la mode. Voire considéré comme fasciste, dans une certaine mesure, je me permets d'utiliser un mot à caractère politique. Je vais dire le mot « vérité », dit-il de lui-même, qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Et aujourd'hui, dans l'Évangile, il dit, « Tu as envoyé des messagers à Jean, et il a envoyé, il a témoigné en faveur de la vérité. » C'est-à-dire, de lui-même, il s'identifie à la vérité. Et pourquoi dit-il que la vérité n'est pas à la mode et que c'est considéré comme quelque chose de politiquement incorrect parce qu'ils disent que prétendre avoir la vérité ou être dans la vérité est antidémocratique, que la seule démocratie qui existe est celle composée de gens qui ne considèrent pas que leur opinion est vraie, mais que leur opinion est leur opinion. C'est ce qu'ils pensent, c'est-à-dire qu'ils définissent la démocratie comme le groupe ou le gouvernement qui sera un groupe de gens qui sont tous relativistes. Rien de plus faux, non seulement en matière de démocratie, mais comme disait très bien Benoît XVI, derrière le relativisme vient inévitablement la dictature du relativisme, c'est-à-dire ceux qui sont relativistes et qui disent que la vérité n'existe pas, et qui prétendent dire que la vérité existe, et que je l'ai, ou que vous l'avez, vous. Ils disent que nous sommes les ennemis de la démocratie, et que nous sommes contre la coexistence. Mais ils deviennent eux-mêmes des dictateurs du relativisme, parce qu'ils attaquent les autres. Je ne peux pas dire que j'ai la vérité, et si je le dis, vous qui dites que la vérité n'existe pas, que ma vérité existe,
votre vérité, leur vérité. Vous m'attaquez parce que je dis, j'ai la vérité. Si je suis là en train d'attaquer ce que, quoi que ce soit, au contraire, toi qui te présentes comme le tolérant, deviens celui qui attaque celui qui ose dire le contraire de ce que tu penses. Les relativistes sont des dictateurs fanatiques, parfois même des assassins, des criminels, même si la loi les protège. Il y a quelques jours, dans une paroisse à côté de la nôtre, dans une des paroisses que nous avons aux États-Unis, il y a quelques jours, j'ai dit dans cette paroisse, c'est une grande, très jolie paroisse, et elle a dans ces grands espaces que les paroisses nord-américaines ont habituellement. Elle a différentes images, des images de Saint-Joseph, de la Sainte Vierge. Ils ont détruit toutes les images et il y en avait pas mal. Tout détruit, jeté par terre, délibérément détruit. Qui l'a fait? Relativiste. Si vous osez dire que vous n'êtes pas d'accord avec l'idéologie du genre, ceux qui sont en faveur de l'idéologie du genre ne disent pas, eh bien, c'est votre opinion. Je suis pour. Vous êtes contre. C'est votre opinion. Je respecte. Non. Ils exigent que vous les respectiez. Et si vous ne les respectez pas, ils vous attaquent violemment. Si vous osez dire que vous n'êtes pas d'accord avec l'avortement, ce n'est pas que vous dites que je ne suis pas d'accord avec l'avortement. Si vous êtes d'accord avec l'avortement, non. Ceux qui sont pour l'avortement ne vous permettent pas d'être contre, mais plutôt ils vous attaquent violemment et donc je peux donner beaucoup d'autres exemples. Le Seigneur est la vérité. La vérité existe. Cela les dérange beaucoup, ils deviennent très nerveux. Ils ont de la mousse à la bouche, leur tête tourne, leurs yeux se vident. Vous dites que la vérité existe et immédiatement ils commencent à vous jeter des pierres. Mais comment la vérité peut-elle exister? Tout est relatif. Et si vous osez dire que la vérité existe, on vous jettera des pierres. Personne n'est plus dictateur aujourd'hui que ceux qui se considèrent politiquement corrects. Mais la vérité existe. Quand il fait froid, il fait froid. Ce n'est pas qu'il me semble qu'il fait froid, c'est qu'il fait froid. Quand il fait chaud, il fait chaud. 2 plus 2 égale 4. Ce n'est pas que 2 et 2 égale 4 parce qu'il me semble, mais s'il te semble qu'il y a 26, 2 et 2 égale 26, non. 2 et 2 font 4. La vérité existe et aussi la vérité est une personne. La vérité n'est pas une idée. La vérité est une personne et cette personne est Jésus de Nazareth, fils de Dieu et fils de Marie. La vérité existe. Le Christ est la vérité. Le Christ a la vérité parce qu'il est la vérité. Et nous, c'est très intéressant de marcher dans la vérité, de marcher avec le Christ pour ne pas nous faire du mal ni nuire aux autres. Le Christ est la vérité parce qu'il est Dieu et ses œuvres, son amour, sa miséricorde témoignent qu'il en est ainsi. Ainsi soit-il.